Ah, ça me gratte! Ah, mais qu'est-ce que j'ai? Ah, mais c'est horrible! Ah! Qu'est-ce qui se passe encore? Pourquoi j'entends crier? Eh oh! Valentin, je peux rentrer? Valentin, je peux rentrer? Oh, qu'est-ce qui se passe encore? J'espère que c'est pas grave. Et si c'est grave, Mais regarde-moi! qu'est-ce que t'as fait? Mais je sais pas! Je sais juste que ça me démange de Ah non, mais partout! je t'ai jamais entendu crier comme ça là! Mais même sur le front, gars! Montre ton Ici, visage! regarde! Montre ton Regardez! visage! Attends, montre ton visage! Oh, Ça mais me il y en a partout! démange! Il y en a partout, Ah, mais ils sont mais énormes! oui! C'est quoi ces boutons? Je sais pas, à toi de me le dire! Et tu t'es réveillé comme ça? Mais oui, il y a à peine 5 minutes! Ah ouais, parce que là c'est. Oui, bon. Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là c'est le matin, on devait tous partir à l'école, tout ça. Voilà, je devais accompagner Lily Rose au collège et moi j'avais un truc à faire. Là, on était en train de prendre le petit déjeuner en bas avec Lily Rose et j'ai entendu crier, mais comme jamais. Déjà, pourquoi t'as dormi chez nous cette nuit? Bah, j'allais dormir où? Bah, chez tes parents. Bah non, j'ai pas envie. Ah, mais Voilà. tu peux pas rester toute ta vie chez nous, c'est pas Bah possible. si, j'ai envie donc. Ah, mais surtout là, bon, on va devoir aller chez le médecin, montre-moi Bah ça. oui. Oh, regardez ça, les amis, Ça non, me mais la taille gratte. des boutons par rapport à la taille de mon Mais doigt, oui. c'est énorme. Bon, non, mais là, tu sais te lever ou t'es malade? Bah. Ouais, c'est. Oh T'as des nausées? non. Ah bah vomis pas partout, hein. Oh. Surtout pas sur mon lit, hein. Surtout pas sur le lit. Surtout pas sur le lit. D'accord, Sinon fais papy d'accord. qui va être en colère. Bon, écoute, attends, c'est une blague. Attends, t'as pas bu ça, j'espère. Bah si. Mais punaise, mais tu comprends rien. Oh, c'est pas Mais possible. c'est noté boire. Bon, les amis, je pense savoir pourquoi il est tombé malade. Et si c'est ça, c'est assez grave. On va devoir aller aux urgences immédiatement. C'est noté boire. Ah, mais c'est pas possible. Bon, je t'expliquerai plus Boire. tard. Bon, écoute, prends cette bouteille, on va chez le médecin tout de suite. J'ai pas le temps de t'expliquer là. Allez, D'accord. dépêche-toi, lève-toi. Parce que là, j'ai que un quart d'heure. Après, je dois accompagner Lily Rose à l'école. Bon, les amis, là, c'est une catastrophe. Je vais vous expliquer pourquoi. Non, mais. Non, on peut pas aller comme ça chez les médecins. Il va falloir aller dans la rue et tout, tu peux pas ramper. Allez. D'accord. Bon, ça a pas l'air d'aller. Bon, les amis, on se retrouve tout de suite chez le médecin. Là, c'est une catastrophe quand vous allez comprendre ce qui se passe. Vous allez tout comprendre, vous allez pas être content non plus. Regardez, il marche à quatre pattes avec sa bouteille. Dans la rue, on a dû marcher comme ça. Bon, écoutez, hop, on est chez le docteur. On va. Ah non, mais vite, on Allez, tu rentre. respires bien Monsieur, fort. monsieur, monsieur. Allez, respire mieux. Docteur Foufou. Ah, t'es encore là, toi? Ah oui, non, mais là, je vous apporte un patient Bonjour. très important, regardez. Oh là là, il m'a l'air bien Bonjour. malade, toi. Ah non, mais il arrive plus à se déplacer. Il a pas l'air comme ça, mais il est très malade. Enfin, il a pas l'air. Si, il a l'air très malade quand même, là. Regardez sa tête, hein. Regardez son visage. Oh là, il y a plein de boutons. Ah bah oui, là. Là, c'est plus que des boutons, c'est carrément Mais c'est quoi cette bouteille? c'est carrément des plaques qu'il a. Non Bon, mais. écoutez, je vais vous expliquer. Moi, je vais pas pouvoir rester très longtemps parce que je dois accompagner Lily Rose à l'école, vous savez. Ah, Bon, elle est où? écoutez, venez, je vais vous expliquer. Je vais vous Vas-y, expliquer. raconte-moi parce Pas que ça paraît bizarre. devant lui parce qu'il va avoir peur. Ouais. Donc, ça, c'est un inconnu qui me l'avait donné dans la rue. Et alors, Voilà. et tu l'as pris? Oui, je l'ai pris et Lily Rose, elle en a bu un peu et après, elle a eu les dents pourries, vous vous souvenez? Mais Non, oui, parce que les dents pourries. Attends, non, mais t'inquiète pas, t'inquiète pas. Non. Oui, donc, attends, laissez-moi expliquer. Attends, Donc, oui, ah, dans une autre vidéo, Lily Rose avait bu un verre de cette bouteille. Elle a eu les dents pourries, on a dû remplacer toutes ses dents. Sauf que là, regardez, il en a bu beaucoup, il a dû boire au moins 2-3 verres. Remplacer toutes Du ses coup, là, dents. ça tombe, c'est sa peau entière qui va pourrir, qui va. Ah. Et ses dents aussi. Enfin, bref, c'est une catastrophe, faut que vous trouviez un médicament immédiatement. Sinon, je crains que ça soit beaucoup plus grave. Il faut que je fasse Il y a ma peau qui va pourrir. Oui, non, mais. Oui, prends sa température. Allez, Valentin, moi je dois accompagner Lily Rose à l'école. Non, me laisse pas tout seul. Je me laisse si, pas si, seul. Si. Je vais être obligé de. Reste avec moi. Non, mais non, plaît. allez, va t'asseoir avec Viens ce ici, médecin. Viens ici. Oula. Oh, non, mais c'est pire en pire ici. Oui, non, mais Valentin, tu vois bien que t'es pas dans ta forme normale. Il faut que tu te fasses aider par. Faut que tu te fasses aider par Monsieur Foufou. Allez, va là-bas. Je vais essayer. Et prenez soin de lui, prenez soin de lui. Oui, prenez soin de lui, prenez soin de lui. Je l'ai emmené chez le pire médecin en plus, mais bon, il n'y a que lui qui nous accepte en rendez-vous pour des problèmes pareils. Bon, les amis, moi je vais rentrer à la maison, je vais aller voir Lily Rose, je vais l'accompagner à l'école. J'espère que ça va bien se passer parce que c'est quand même très très grave là. Ça tombe bien, regarde, j'ai mon petit tuffo. Donnez-moi ça vite, s'il vous plaît. Spécial banane. Monsieur? Oui, qu'est-ce qui se passe encore? Vous avez Allez des vite, boutons? avale. Quoi? Un bouton.
J'ai des boutons. Ici aussi sur le nez, comme moi. Ah, oh non, sur le nez et sur le front. Oh non, vite, faut que j'appelle Esteban. Ah non, 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 surtout pas. Il va pas vouloir me récupérer. Allô, Esteban. Allô, oui. Oui, il faut que tu viennes vite. J'ai des boutons aussi. Impossible. Comment ça, il vous a contaminé? Oh non, mais je sais pas quoi faire, moi je peux pas revenir, je peux pas venir le chercher, parce que s'il me contamine aussi, je vais me retrouver avec des boutons, et là, de toute façon, je dois accompagner Lily Rose à l'école, et faut pas qu'elle soit contaminée, sinon comment on va faire pour les concerts, pour... Oh non, il veut rien savoir. Bon, les amis, vous l'avez vu, certainement, c'est une catastrophe. Valentin a contaminé le professeur, a contaminé le médecin, donc je sais pas ce qu'on va faire. Moi, je peux pas le ramener à la maison, parce que si je le ramène ici et qu'il contamine Peppa Pink, Lily Rose et moi, ah bah c'est la fin de la famille. Imaginez, on perd tous nos dents, on perd tous notre peau, qu'est-ce qu'on va faire? On va même plus pouvoir faire de vidéo, on va... Enfin, bref... Qu'est-ce que je peux faire là? En même temps, je peux pas abandonner mon cousin comme ça chez le médecin pour toujours. Attendez, j'ai une idée. Ah mais oui, et ça me rappelle un... Mais oui, oh là là, je suis bête. Ah, heureusement qu'on a ça. Oui, bon, vous vous demandez certainement ce que je fais avec une combinaison jaune comme ça ici. Mais il y a pas longtemps, bon, c'est un peu méchant, mais je dois vous le dire. Il y a un ami de Lily Rose qui est venu à la maison, sauf que cet ami... Il sent très mauvais, il pue. Alors je sais pas, on sait pas pourquoi il sent aussi mauvais, mais du coup, on portait un masque comme ça pour pas sentir son odeur. Du coup, bon les amis, je vais mettre une combinaison anti-microbe et on se retrouve tout de suite, je vais aller chercher Valentin. Par contre, si je l'amène, s'il revient à la maison, il reste enfermé pendant une semaine dans une pièce. Hors de question qu'il voit Lily Rose et les autres. Regardez les amis, ma magnifique combinaison anti-microbe. Regardez si je suis pas magnifique comme ça, hop, et il suffit de mettre un petit masque comme ça avec, je sais pas si vous m'entendez, j'espère que oui quand même que vous m'entendez avec ça, et normalement avec ça il n'y a aucun microbe qui peut me battre, je vais pouvoir aller chercher Valentin, j'espère que ça va marcher, sinon c'est moi qui vais me retrouver avec des boutons plein le visage, et là c'est la fin de la famille, c'est peut-être la fin des vidéos aussi, carrément. Les amis, c'est parti. Objectif, récupérer Valentin. Allez, let's go. Monsieur! Esteban, te voilà! Ah oui, je suis arrivé! Bon, je suis. c'est un peu compliqué avec le masque. Bon, je vais peut-être pas le porter, mais au moins j'ai la combinaison. Bon, monsieur, c'est bon, je peux récupérer Valentin. Attends, j'étais en train de lui donner une petite cure! Ah oui, non, c'est vrai que là, vous avez le visage un peu. Bah oui, j'ai vu, j'en ai un là ici, regarde! Ouais, bah là, prenez soin de vous aussi, bon. Récupère-moi, Esteban! La caméra là! Oh, je suis en train de filmer, hein! Écoutez, bon, je pense qu'on a plus, il a plus besoin de médicaments. Je pense que on va le laisser une semaine au repos. On va te laisser. Allez, viens. Non, en fait, je te touche pas. Mais on va te laisser une semaine dans la cave de la maison, pour dans voir, pour voir comment ça évolue, ok? Attends, non, je veux pas être dans la cave. J'ai pas envie. N'oublie pas ton médicament. Ah, merci, monsieur. Ne lui donnez pas trop de médicaments non plus. C'est pas... D'ailleurs, je vais en prendre. Allez, Valentin, on rentre à la maison. Oh là là, et arrêtez de venir avec des problèmes comme ça. Ah bah ça a pas l'air d'aller. Oui bah en même temps on fait pas exprès d'avoir des problèmes. Bon, vous pouvez garder la potion mais ne la buvez pas surtout. Bon allez, les amis, on va aller dans la rue comme ça. C'est parti, rendez-vous à la maison. Allez, c'est parti Valentin. Bon, par contre je te préviens, tu vas devoir rester dans le garage. Oh non. Ah bah non. Là tu restes dans le garage pendant au moins une semaine, oui. c'est ce que j'ai dit au médecin. Je dois dormir par terre là, sur les briques. Bah oui, peut-être que je t'amènerai un lit, mais là on n'a pas le choix. Laisse-moi rentrer, Esteban. Non mais oh, on va se calmer. Non mais oh, et moi j'ai pas mis une combinaison pour rien. Hein. D'ailleurs je vais la remettre, j'ai pas envie de tomber malade. Ouais bon, allez hein, à la prochaine. Tu restes là. Ah c'est bon, je peux enlever ça. Ah les amis, c'est une catastrophe. Bon, je sais pas quand est-ce qu'on va récupérer Valentin, parce que là franchement ça a pas l'air d'aller mieux du tout. Là il a encore plus de boutons qu'au début. Donc franchement je sais pas quoi faire. J'espère qu'on va pouvoir quand même le récupérer un jour. Parce que si ça continue comme ça, bah il est mal barré. Mais bon, enfin bref, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a fait rire, qu'elle vous a diverti. Si c'est le cas, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et surtout cliquez sur une vidéo qui apparaît sur votre écran pour continuer à suivre nos aventures. Cliquez sur une autre de nos vidéos. À la prochaine, ciao.